Audition secrète, l'émission truquée. Le temps de préparation interroge Audition secrète. Lors de la diffusion du premier épisode d'Audition secrète, les téléspectateurs se sont étonnés du temps de préparation entre la surprise des candidats et leur prestation sur scène. Mis à jour le 25 juillet 2018 à 11h39, un problème dans le montage du premier épisode d'Audition secrète. Il semblerait que les téléspectateurs n'aient pas bien compris la dynamique des coulisses de l'émission. En effet, un certain nombre d'internautes se sont interrogés sur Twitter au sujet du laps de temps entre la surprise des candidats et leur prestation sur scène. Dans l'épisode 1, cela ne dure que quelques minutes, ce qui a pu laisser croire aux téléspectateurs que peu de temps passe entre les deux séquences. Certains twittos ont même pensé que l'émission était truquée, mais en réalité, il se passe 3 jours entre les deux, lorsqu'ils se voient expliquer le concept du show par Eric Antoine après la surprise initiale. Les candidats ont 3 jours pour se préparer à leur audition en bonne et due forme s'ils acceptent de remonter sur scène. Dans ce cas, ils ont alors accès à des coachs et des stylistes pour un relooking express. Pour son lancement le 24 juillet, Audition secrète a réalisé un démarrage correct sur M6. L'émission a en effet rassemblé 2,1 millions de téléspectateurs curieux de découvrir le concept nouveau de ce télécrochet étonnant. Cela représente 12,5% de part de marché. M6 se hisse donc sur la 3e place du podium des audiences, juste en dessous des rediffusions de Camping Paradis sur TF1, 3 millions de téléspectateurs, et d'Innocente sur France 3, 2,3 millions de téléspectateurs. Il faudra confirmer la semaine prochaine avec la diffusion de l'épisode 2. Le concept, dénicher des talents musicaux qui s'ignorent avec un concept inédit, les talents qui chantent devant un public n'ont pas conscience de la présence des jurés. La personne va ainsi chanter à l'aise, faire son métier d'artiste, être sur une scène, c'est-à-dire chanter devant des gens une reprise, sans savoir qu'il y a une maison de disques en train de la regarder, explique Pascal Nègre à Ouest France. L'émission est donc loin d'être une compétition, comme The Voice. Les deux jurés, Pascal Nègre et Julien Creusard, sont venus ici pour dénicher de nouveaux talents. Au départ, on avait prévenu l'émission que nous ne pourrions signer aucun talent si nous pensions qu'il n'était pas à la hauteur, a expliqué Pascal Nègre à Pure Média, tout en assurant que, à l'arrivée, nous en avons signé 4. C'est formidable, Julien Creusard a indiqué qu'en dehors de la voix, ils ont aussi été attentifs à la personnalité artistique, présentée par Eric Antoine et David Ginola. L'émission propose un concept inédit à la télévision. M6 précise que « ce n'est pas un jeu mais l'histoire d'une maison de disques qui cherche à découvrir de nouveaux talents ». En mars dernier, Pascal Nègre et son collaborateur Julien Creusard ont fondé leur label 6. La date de diffusion de Audition secrète initialement prévue le 17 juillet, l'émission a été reprogrammée au 24 juillet suite à la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018 et une soirée spéciale organisée en urgence par M6. Contrairement à The Voice, les votes ne sont pas possibles dans Audition secrète, on n'est pas en train de jouer, c'est notre métier, celui des maisons de disques qui est montré ici, assure Pascal Nègre. Les candidats de Audition secrète. Les candidats sont tous réunis par un point commun, celui d'avoir un talent pour le chant. Seulement, chacun reste dans l'ombre en chantant devant sa glace. D'après Le Parisien, 50 candidats auraient été piégés. Ages de 16 à 70 ans, ils exercent des métiers très divers. On retrouvera ainsi une surveillance dans un lycée, un étudiant en droit, un manutentionnaire, une assistante maternelle ou une vendeuse. Audition secrète, direct et replay. La nouvelle émission Audition secrète a déjà été enregistrée en février et n'est donc pas diffusée en direct. Le tournage s'est effectué en un temps réduit puisqu'entre le moment de la première audition enregistrée à la Cité du Cinéma et de la deuxième, où les candidats sont en connaissance de cause, il y a eu seulement 3 jours de préparation. Une semaine après, la finale a été enregistrée sur la scène de l'Élysée-Montmartre.